N'oubliez pas, l'objectif est de trouver les agents de Voron dans le dépôt de missiles pour les empêcher de s'emparer d'une ogive. Pas de dommages collatéraux. Voron est notre seule cible, j'ai entendu. C'est quand tu veux, Briggs. Allez, continue d'avancer. Fais gaffe, les snipers peuvent nous voir dans les phares du camion. Toi aussi, t'as vu leur laser? Ouais, on reste planqué, on se fait tout petit. À ton signal. Allez, on reste en équipe. Ils ont une sécurité renforcée. Si vous coupez le courant dans la sous-station, vous pourrez profiter du blackout. Je sais. Avant qu'ils allument les générateurs de secours. Exact. Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour tout traverser. Tout ça est vraiment de mieux en mieux. Grim, on est à la sous-station. Ok, vous allez devoir couper le courant en même temps. On se sépare et on y va. Ça marche. Quand tu veux. On avance. Tout le site est dans le noir. Attention, le personnel de sécurité cherche activement la source du blackout. C'est le moment d'y aller. Ok, on entre. Où est-ce qu'on va, Grim? Suivez la tranchée jusqu'au point d'entrée. Quel est le niveau de sécurité? Des mines. Soyez prudents. Tu veux passer devant, Sam? Les générateurs de secours sont enclenchés. Pareil, en position, Briggs. Allez, on reste en équipe. Sont sur le point de rétablir l'éclairage. Briggs, je t'attends. Allez, continue d'avancer. Grim, on y est. Apparemment, Voron est tombé sur les gardes. Compris. Vous pouvez employer des armes létales contre Voron. On fera tout ce qu'il faut pour récupérer cette tête. Il faut que vous alliez à la zone d'assemblage. On est en route. Il y a un scanner rétinien à la porte. Grim, est-ce que Charlie pourrait nous ouvrir cette porte? Oublie cet ordre. En position, j'attends. On a déjà 20 secondes de retard sur le... On a un contact visuel. Il retire le gif d'une tête de missile. Dépêche-toi! Quel est le plan, Sam? Dépêche-toi! Le missile se met en position! Maintenant, retire l'ogive! On ne prend pas de risque, on les descend tous. Tu en as fini avec les blessés! J'ai cartonné! Aucun... J'envoie une grenade à gaz. Grim, la voie est libre. Il faut inverser le protocole d'extraction. C'est compliqué ou ça a seulement l'air compliqué? Je
je peux vous expliquer comment faire, les gars. Commencez par prendre l'ogive avec la grue. Ok. Redéployez. Charlie, on a réussi à soulever l'ogive. Bien. Sam, des agents de Voron se dirigent vers votre position. Ok, c'est bon. Et après, Charlie? Il va falloir remettre la tête nucléaire dans le missile. Compris. Je place une mine terrestre. Compris. Mine déployée. Je place une mine terrestre. Compris. Mine déployée. Pirater le système, Sam. On va voir ça. Ogive sécurisée. Il y a encore des agents en approche. Je balance une grenade à gaz. Cible neutralisée. Que tout le monde fouille la zone. C'est bon, Charlie. Ensuite. Envoyez le missile dans son silo de stockage et il sera verrouillé par minuterie. C'est bon, Charlie. Ensuite. Envoyez le missile dans son silo de stockage et il sera verrouillé par minuterie. Mine terrestre activée. Mine terrestre activée. Mine terrestre déployée. C'est quand tu veux, Briggs. On avance. C'est pas vrai. Des troupes indiennes en approche. Ils bloquent la sortie. Où est-ce qu'il va, ce missile? J'y crois pas. Attendez, je cherche. Vous devriez pouvoir suivre le missile dehors si Voron n'a pas bloqué la sortie. Tout le monde se déploie. Dites-le savoir.
Graham, Briggs, vous devez partir, vite! Il nous faut un peu plus d'infos que ça, Grim. Continuez à suivre le missile. Il passera par une porte qui mène au hangar. L'exfiltration se fera à partir de là. Dépêchez-vous! Compris. Une seconde. Je dois déverrouiller la serrure pour ouvrir le passage. J'ai forcé la serrure. Vous pouvez y aller. Je t'attends. On continue. Rin, c'est en train de dégénérer entre Voron et les locaux. Ne vous occupez pas d'eux, dégagez avant que ces portes se ferment. Bougez-vous. Porte se ferme. Encerclé. On va avoir du mal à trouver un bon alibi. Grim, je prépare le Skyhook. Compris. Hélico en approche. Le virement a été fait sur notre compte.